Oui, je vois, c'est en train d'enregistrer en bas à droite. Tout va bien, on est en live. Salut Zaman, salut Injal, salut YouTube, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Promo Steam, jeu indé, tout ça, tout ça. Vous le voyez, on va jouer à Escape Lizards. Mais avant, quelques mots sur le jeu, comme il est de coutume. Eh bien, qu'est-ce que c'est que Escape Lizards? Eh bien, c'est un jeu qui a été développé par Ego Dystonic Studios. C'est un jeu, donc c'est un studio de 4 personnes, un studio anglais. Et j'ai pas plus d'infos que ça. Alors, je mettrai sans doute un lien dans la description, tout ça, pour aller voir si vous voulez plus d'infos. Il y a beaucoup de trucs à lire, c'est en anglais. Bon courage. Vous allez voir que le gérant de la boîte, si jamais vous êtes curieux, et assez a un physique assez particulier, cela dit. Ce jeu est sorti le 11 avril 2017 et il s'agit d'une des promos les plus intéressantes actuellement, on va dire, en termes de ouais, c'est ça, de prix, puisque le jeu est à la base à 13,99 € et en ce moment, pour les promos Steam, au moment où cette vidéo sort bien sûr, le jeu est à 3,49 €. Alors vous allez dire, c'est bien, le prix c'est raisonnable, etc. Mais qu'est-ce que c'est on me dit dans l'oreillette, voilà, que les devs boivent du thé, effectivement, Zaman. Et qu'est-ce que c'est qu'Escape Lizards? Vous allez voir, ça va vous rappeler sans doute un petit jeu que vous... Si vous êtes né dans les années 80-90, vous avez peut-être joué à un jeu qui ressemblait à ça. Lançons le premier niveau en mode beginning. On a une petite histoire, mais en fait l'histoire on s'en fout un peu, je pense. Ce qui nous intéresse surtout, vous allez voir, c'est le jeu. Alors j'ai pas réglé le jeu, donc je vais peut-être devoir le faire parce que j'ai tout foutu en full. Et avec mon PC, je pense qu'il va mourir de décès. Pour vous parler très rapidement du jeu, en gros, c'est un... Eh bien... Merde, j'ai perdu le nom. Monkey Ball, eh oui. C'est un Monkey Ball. Donc, on va voir si ça vaut vraiment le coup. Par contre, le jeu ne répond pas, ça serait bien qu'il réponde à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a quelques petits bugs quand même hein, sur ce jeu. C'est bon. Continuons. Ready? Oui, ready. Donc, est-ce que je peux changer? Non. Go! C'est parti. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un Monkey Ball? Eh bien, en fait, c'est un jeu où, en fait, vous ne dirigez pas le personnage à proprement parler. Vous dirigez, eh bien, le terrain. Ah, et Seldel a mis à tracer sur ce niveau, effectivement. Alors, je sais pas à quoi ça sert les petites pierres. Et voilà, le problème, c'est que si on sort, on meurt. Recommençons ce niveau. Est-ce qu'on peut stabiliser? Non, j'ai pas l'impression. Eh oui, c'est un clone, effectivement, c'est un clone. Est-ce que j'ai récupéré assez de... Oui, c'est bon. Ok. Ah. Merci pour le sel. Ah oui, effectivement. Alors vous voyez, à chaque fois on peut récupérer, j'imagine qu'on peut récupérer plein de trucs, hein. Il y a vraiment plein de trucs à récupérer, il y a un mode de compète. Réessayons ce niveau, essayons de le faire un peu mieux, ce premier niveau. Ah mais en fait, toutes les pièces qu'on a récupérées, elles se remettent? Ah. Ah, papa, papa. Allez, 40, je peux le faire. Je peux le faire, je peux battre celle d'elle. Je suis sûr, je peux le faire. Trop vite, bien sûr, trop vite. Je suis sûr qu'il y a des... Alors, peut-être pas tout de suite pour les raccourcis. Mais merde! Mais c'est nul! Go. Ah, moi, j'ai jamais été très bon hein, à Monkey Ball. Je préviens tout de suite. Oui! Bon. Un cri d'aigle? C'est intéressant. Oui, je l'ai passé. Ah, Egg Tipper, très bien. Petit trophée débloqué.
Bon, je suis toujours derrière celle d'elle, hein. Ah oui, effectivement, oui. Mais en fait, c'est super facile parce qu'il suffit de refaire le niveau pour récupérer les dernières pièces et on est bon. Attendez. Là, on va le faire en mode... vas-y, je suis peinard. Ah! Ah bah non, bah trop tard. Ok, il manque... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas de soucis, Zaknir. Bonne soirée. Merci à toi d'être passé. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Alors oui, la caméra, si la caméra vous donne un peu la gerbe, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un peu le principe de ce type de jeu. C'est pas grave. Là, je vais juste récupérer toutes les pièces, histoire de dire, c'est bon, je les ai. Et ensuite... Ah non, il m'en manque une, deux. Non, c'est dégueulasse, ma bonne dame. Est-ce que si je fais moins de 20 secondes... Ouais, non, là, je pourrais pas remonter. Très bien. Bravo. Bon, passons au niveau suivant. Ah, faut faire jouer Cartman. Ah non, mais si on fait ça... Si on fait ça, il va devenir malade. Ah, mais de rien, Zaknir. C'est un plaisir de vous faire découvrir des jeux. Alors, attention. Hein. Merde, je suis coincé. Ah, vite. Non, pas par là. Ah, mon golo. Ah, ah c'est bon, il est tombé. Mon dieu. Il y avait un autre œuf. Fichtre. Bon, c'est pas grave. On va essayer de finir les niveaux. Next level. Ah, caméra sur 20, mais bien sûr. Non, mais c'est... C'est le principe de ce type de jeu en fait. Même si c'est vrai que on peut purée, on peut retourner. Alors attendez, parce que alors je viens de tester un truc. En fait, avec les gâchettes, a priori, effectivement, on peut faire tourner la caméra. Voilà, bravo. On peut faire tourner en fait le terrain, on peut le retourner complètement. C'est un enfer. Est-ce qu'on a un mode, je sais pas, boost? On peut pas bouger la caméra, on peut pas se rapprocher un peu? Non, ça a l'air d'être l'angoisse sur 20, ce jeu. Après, je pense que, effectivement, hein, les amateurs de Monkey Ball, Super Monkey Ball, etc., devraient un petit peu trouver leur bonheur, j'imagine. Effectivement, il y a un mode vraiment compète avec ses amis enregistrés. Enfin, ses amis Steam. Attention, un niveau tricky. Ah oui, bah pour le coup, oui. Oh, papa, papa. Oh. Putain, mais... Ça va trop vite. Alors, c'est mon jeu qui est aux fraises. Je ne sais pas, c'est mon PC qui est aux fraises et qui me fait... Oh, papa, papa. Ouais, au moins essayer de finir ce premier. Je vais manger mon micro. Ready? Go! Ah, oui, non, pas trop vite. Ready? Non, mais en même temps, Zamon, je joue vraiment très mal, hein, qu'on soit d'accord. Oui! Oui, non, ah. Je ne t'aurais pas fait claquer la CV ce soir, c'est pas grave, je ferai ça un autre jour, Zamon, compte sur moi. Mais bordel. Doit y avoir des techniques malgaches. Hein. Ah d'accord, il y a un bouton pour... Ok, pour redémarrer. Ah. Ah, pas du tout. D'accord, et l'œuf n'a rien. J'ai un instant de lucidité. J'ai toujours un instant de lucidité. Mais t'inquiète pas, ne t'inquiète. J'arriverai à te faire cracher ton pognon.
Ah, oh là. Mais merde, non, je veux freiner. On peut pas freiner dans le jeu. Attendez. Option. Déjà, j'ai l'impression que ça rame un peu. On va baisser. Voilà, moi j'ai un jeu qui est aux fraises. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ouais, on peut faire des tilts, d'accord. Mon dieu, mais c'est un enfer. Faut jouer en basse qualité. Oh, papa. Bon, allez, il faudrait au moins que j'arrive à finir ce niveau. Mais merde! Je trompe de bouton avec le restart. Je veux tellement freiner, j'ai tellement l'habitude du bouton de frein. Ready, go. On peut, voilà, on peut pas sauter, on peut rien faire. C'est nul comme jeu, j'aime pas ces jeux-là. Hein. Ready, go. Attention. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, là, j'allais tomber. Oh mon dieu, doucement, Molo Kaira, voilà. Caméra sur 20. C'est bon, ça passe. Non! Mais pourquoi? Je rappuie sur le bouton reset. Cette découverte va être la pire de la chaîne, ever. Et pourtant, j'en ai fait des merdes. En arrière, bah... Allons-y doucement. Doucement mais sûrement. Qui va piano va piano. J'ai plus le temps. Non. Je l'ai fini. Au moins je l'ai fait. J'ai fait tomber les deux œufs. Ah, incroyable. Niveau suivant. On s'en fout. On enchaîne. On enchaîne comme Cool Chain. Ready? Go! Allez. Oh, popopopo. Ready? Go! Mais comment tu passes ça? Comment tu passes ça? Physique sur 20. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, il faut appuyer sur le bouton A pour faire un jump. Oh mon dieu. Jean-Michel Rebou. Toujours faire tomber les œufs, hein, bien sûr. Oui. Le petit son piano quand la citation pop. Bravo. Ah, et un trophée gagné. Vraiment, quelle chance. Incroyable. Ready? Go! Attention. Ah d'accord. Ok. Go! Oh, papa. Oui, tout va bien. Ready? Non. Go! Ah, j'ai gagné un trophée quand même parce que j'étais très rapide. Effectivement. Mon dieu, j'ai plus le... J'ai plus le temps. Non. Mais quelle merde. Ah, la caméra est à chier. Hein.
Dégage! Non! Go. On établit. Ready, go. J'ai sauté trop tôt. Ah, bien évité. Non. Oui. Non. Ah merde, j'ai utilisé un saut. Non. Oui. Il est pas tombé. Ce jeu, c'est un peu de la merde. Ah. Mais non. C'est difficile. C'est difficile et j'ai toujours été mauvais au Monkey Ball. Je pense que vous en rendez compte. C'est pour ça que vous ne verrez jamais ces jeux-là, bien sûr, sur cette chaîne. Là, je le fais parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui aiment bien. Mais qui peut aimer ce genre de jeu? Oui? Allez, on va le finir ce niveau un jour? J'en ai marre, les super players, exactement. Jamais vous ne verrez un rush kit ici, bien sûr. Ah. Ah, t'adores super... ouais, bien sûr, super Monkey Ball. Mais moi, je... Non. Mais oh là là, la physique... non, quoi. Physique de merde. C'est bon, je suis là. Toujours présent. Toujours la banane. Oh, j'aurais pu faire un petit cut. Oh merde. Tout va bien, hein? Non. Double hop. Ah oui, on peut faire un double hop. On peut faire un bunny hop, si on veut. Culé. Jeu de merde. Voilà. Vous vous demandiez à quoi ça ressemblait avec la chaîne qui perd patience? À ça. Ah. Jeu de con. Oui. Bravo. On s'en fout. On y va, on n'a plus le temps. Oui. Quand même. Enfin. Ah, j'ai une médaille d'or. Incroyable. Oui, j'ai plus ragé sur Splasher, c'est vrai. D'ailleurs, un jour, il faudra que je reprenne Splasher. Effectivement. Bon, est-ce qu'on a fini ce premier monde? Non, pas du tout. Ah, malheureusement, je crois que je vais arrêter la vidéo pour YouTube. Donc oui, que dire? Eh bien, voilà, ce jeu existe. Si vous aimez les Monkey Balls, ce qui n'est, vous le voyez, pas du tout mon cas. Je suis vraiment trop mauvais. Ah, là, on nous impose une nouvelle mécanique de gameplay. Mais voilà, non, c'est pas du tout mon style de jeu, bien sûr. Et mais ça existe. Ça existe, c'est un jeu donc indé. Actuellement en promo sur Steam.
bien sûr. Il est à 3,49€ actuellement au lieu de 13,99€. C'est un jeu qui a été donc développé par Ego Dystonic Studio. Et de toute façon, le lien est dans la description de la vidéo. Moi, je vais arrêter le massacre ici, parce que effectivement, ce jeu n'est pas du tout pour moi. C'était un enfer à jouer. Mais certains d'entre vous trouveront peut-être leur plaisir là-dedans, qui sait. En tout cas, vous êtes des gros malades. Et dans tous les cas, je vous fais des bisous à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et à tout de suite pour ceux qui sont sur le live. Des bisous tout le monde, ciao!